Un homme rentre en Allemagne. Il a été longtemps absent, cet homme. Très longtemps. Trop longtemps, peut-être. Et il revient tout différent de ce qu'il était en partant. Extérieurement, il ressemble à ces silhouettes que l'on voit dans les champs, plantées là pour effrayer les oiseaux, et parfois les hommes au crépuscule. Intérieurement, aussi. 1000 jours durant, il a attendu dans le froid. Et pour rentrer, il a dû payer d'une rotule. Et après avoir attendu 1000 nuits dehors dans le froid, il peut enfin rentrer chez lui. Un homme rentre en Allemagne. Et la vie qu'il attend ressemble à un film hallucinant. Plusieurs fois pendant la projection, il doit se pincer, ne sachant pas s'il rêve ou s'il est éveillé. Il s'aperçoit alors qu'il y a des gens à côté de lui, à droite et à gauche, des gens qui vivent la même chose que lui. Et il se dit que ce doit bien être la vérité. Et à la fin, lorsqu'il se retrouve dans la rue, l'estomac vide et les pieds gelés, il se rend compte que c'était en fait un film ordinaire. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. L'histoire d'un homme qui rentre en Allemagne, comme tant d'autres. Tous ces gens qui reviennent chez eux sans pourtant rentrer car ils ne savent plus où aller. Chez eux, c'est dehors, devant la porte. Leur Allemagne, elle est là dehors, dans la nuit, dans la pluie, dans la rue. Voilà leur Allemagne. Comme des mouches, je vous dis. Il y en a un là, sur le ponton. On dirait qu'il est en uniforme. Ouais, une vieille capote de soldat. Mais pas de casquette. Cheveux courts, en brosse. Il se tient là, debout, tout près de l'eau. Presque trop près de l'eau même. C'est suspect. Les gens qui tiennent le soir au bord de l'eau sont soit des amoureux, soit des poètes. Ou alors, ce sont ceux qui n'ont plus envie, qui ont rendu leur tablier, qui n'en veulent plus. On dirait qu'il fait partie de ceux-là, le gars là-bas sur le ponton. Ça peut pas être un couple d'amoureux, ils sont toujours deux. C'est pas un poète non plus. Les poètes ont les cheveux longs alors qu'il a une coupe en brosse. Bizarre ce type. Vraiment bizarre. Voilà. Parti tombé. Il était trop près de l'eau. Ça l'a attiré et maintenant... disparu. Quelqu'un meurt. Et après? Rien. Le vent continue de souffler. L'Elbe continue de couler. Le tram continue de faire du bruit. Les prostituées continuent d'attendre derrière leurs fenêtres. Blanche et douce. Monsieur Kramer, il tourne de l'autre côté et il continue de ronfler. Pas une pendule. Pas une qui s'arrête. Quelqu'un est mort. Et après rien.
Y'a que ces quelques ronds dans l'eau qui prouvent qu'il était là. Mais eux aussi ne vont pas tarder à disparaître. Et quand ils auront disparu, lui sera parti sans la moindre trace. Ce serait comme si... comme s'il n'avait jamais existé. Rien de plus. Mais qui es-tu? Na, wer soll ich denn sein, du Küken? Wenn du in St. Pauli von den Landungsbrücken ins Wasser springst. Lel? Ja, die Elbe! Tu es l'Elbe? Ah, da reißt du deine kleinen Kinderaugen auf. Du hast wohl geglaubt. Ich wäre ein romantisches junges Mädchen mit blassgrünen Zahn. Typ Ophelia mit Wasserrosen im aufgelösten Haar. Du hast am Ende sogar geglaubt, du könntest in meinen süß duftenden Lilienarmen die Ewigkeit verbringen. Nee, mein Sohn, nee, das war die Hütte von dir. Ich bin weder romantisch noch süß duftend. Ein ordentlicher Fluss stinkt. Jawohl. Öl und Fisch. Was willst du eigentlich hier? Dormir. Je ne tiens plus là-haut. Je ne veux plus marcher. Je veux dormir. Être mort. Mort pour le reste de ma vie. Et dormir. Dormir enfin tranquille. Dormir 10 000 nuits. Du willst ausgreifen, du Grünschnabeler. Du glaubst, du kannst es nicht mehr aushalten, hm? Da oben, wie? Du meinst, du hast schon genug mitgemacht, du kleiner Stück. Na, wie alt bist du denn, du verzagter Anfänger? 25 ans. Et maintenant, je veux dormir. Ah, sieh mal an, 25 und den Rest verpennen. 25 und bei Nacht und Nebel ins Wasser springen. Weil man nicht mehr kann. Na, was kannst du denn nicht mehr? Du Kreis. De tout. Je n'en peux plus là-haut. De tout. Je n'en peux plus de crever de faim. Je n'en peux plus de boiter. Je n'en peux plus de me tenir debout devant mon lit. Je n'en peux plus de devoir de nouveau sortir en boitant, parce que mon lit est occupé. Ma patte folle, mon lit, mon pain, tout ça, j'en peux plus, tu comprends? Nein, du Rotznase von einem Selbstmörder, nein, hörst du? Glaubst du etwa, nur weil dein Bauch knurrt, weil deine Frau nicht mehr mit dir spielen will und weil du hinken musst? Deswegen kannst du hier bei mir unter den Rock kriechen? Wenn du den Kanal voll hast, hier bis oben. Wenn du lahmgestrampelt bist und wenn dein Herz auf allen Vieren bei mir angekrochen kommt, dann können wir mal wieder über die Sache reden. Aber jetzt machst du keinen Unsinn, klar? Mein Goldchen, von kleine Handvoll Leben, das ist mir verdammt zu wenig. Behalt sie, ich brauch sie nicht. Du, pass auf, ich will dir was sagen, ganz leise ins Ohr. Hat er mir versprochen. Aber sachte, sachte. Er sagt, er hat ein schlimmes Bein. Der Grünschnabel, der Hause.
Non. Je m'appelle Beckman. Et tu n'as pas de prénom, homme qui dit non? Non. Depuis hier, je ne m'appelle plus que Beckman. Simplement Beckman. Comme la table s'appelle Tab. Qui est-ce qui t'appelle Tab? Ma femme. Non. Celle qui était ma femme. J'ai été absent pendant 3 ans. En Russie, j'ai été. Et hier, je suis revenu chez moi. Ce fut mon malheur. Beckman, elle a dit ma femme. Après 3 ans d'absence. Beckman, elle a dit, comme on dit table, pour une table. Beckman, le meuble. Enlève ce meuble, ce Beckman. C'est pour ça que je n'ai plus de prénom, tu comprends? Hallo? Ist da jemand? Hat doch jemand gesprochen? Hallo? Oui, il y a quelqu'un. Ici, au bord de l'eau, couché. Was machen Sie denn da? Warum stehen Sie nicht auf? Vous voyez bien, je suis allongé. Moitié sur la berge, moitié dans l'eau. Aber warum denn? Warum stehen Sie nicht auf? Ich dachte zuerst, da lag ein Toter im Wasser, als ich diesen dunklen Haufen sah. Oui, un tas bien sombre, ça je peux vous le dire. Sie reden
reden aber komisch, finde ich. Wissen Sie was? Jetzt liegen nachts hier oft Tote im Wasser. Die sind dann so dick und glitschig und weiß wie Gespenster. Aber zum Glück sind sie ja lebendig. Aber sie müssen ja durch und durch nass sein. Je suis froid trempé, comme un vrai cadavre. Ach, kommen Sie doch! Ich helfe Ihnen auf! Oder haben Sie sich verletzt? Aussi. Ils m'ont escamoté une rotule en Russie. Maintenant, je suis obligé de traîner la patte. Souvent, je me dis que ça tire plus en arrière qu'en avant. Quant à se relever, impossible. Ach, kommen Sie doch! Ich helfe Ihnen auf! Si vous pensez que ça va plus tirer en arrière, je vais essayer. Sehen Sie? Jetzt geht es sogar aufwärts. Sie sind ja ganz nass. Was? Ich wohne gleich da drüben. Und trockenes Zeug hätte ich auch. Wenn Sie wollen. Also wollen Sie mitkommen? Ja? Oder sind Sie zu stolz, sich von mir trockenlegen zu lassen, Sie stummer, nasser Fisch, Sie? Ja, aber nur, wenn Sie wollen. Also, ich nehme Sie nur mit, weil Sie nass und eiskalt sind, verstanden? Und hoffentlich sind Sie ganz hässlich und bescheiden, damit ich es nicht bereut haben muss, Sie mitgenommen zu haben. Also, ich nehme Sie nur mit, weil Sie nass und eiskalt sind. Und weil... Parce que quoi? Non. Simplement parce que j'ai froid. Et que je suis trempé. Il n'y a pas d'autre parce que qui tienne. Doch. Doch, gibt es doch. Weil du so eine unglaublich traurige Stimme hast. So vollkommen grau und trostlos. Ach, ich rede Unsinn. Komm, gehen wir zu mir nach Hause. Doucement. Vous partez sans moi. Ma jambe ne suit pas. Okay, dann machen wir es so, wie zwei uralte, steinalte, nasskalte Fische. Ce sont des créatures bien étranges sur cette terre. D'abord, ils se laissent tomber dans l'eau. Ils ne pensent qu'à mourir. Et puis voilà qu'un autre bipède passe. Mais du genre bipède avec une jupe, une poitrine et de grandes boucles. Et voilà que soudain, la vie redevient merveilleuse et douce. Il n'y a plus personne pour mourir. Ils voudraient ne jamais être mort. Wegen seiner weißen Haut. Wegen seinen paar Locken und ein bisschen Frauengeruch. Da stehen sie wieder auf vom Sterbebett und sind gesund, wie 10.000 Hirsche im Februar. Da werden selbst die halben Wasserleichen noch wieder lebendig, obwohl sie es doch eigentlich gar nicht mehr aushalten konnten. Auf dieser verdammten, öden, elenden Erdkugel. Les noyés se mettent à remuer. Tout ça à cause de deux yeux qui vous regardent, d'un peu de douce pitié et de chaleur, de petites mains et d'un cou délié. Même les noyés, ces drôles de bipèdes terrestres. Thank you.
mir mal genauer an, was ich mir hier geangelt habe heute Abend. Um Gottes Willen, was ist denn das? Ça, ce sont mes lunettes. Was? Oui, vous riez. Ce sont mes lunettes, hélas. Deine Brille? Ich glaube, du bist mit Absicht komisch. Ces lunettes sont peut-être un peu bizarres. Avec ces montures en métal gris. Et c'est la série qu'on va se passer derrière les oreilles. Et ce montant gris en travers du nez. Ça vous donne une tête d'uniforme, une tête grise, une tête de robot en femme. Une tête de masque à gaz. Ce sont d'ailleurs des lunettes de masque à gaz. Des lunettes de masque à gaz. C'était pour les soldats qui portaient des lunettes. Pour qu'ils puissent y voir sous le masque à gaz. Aber warum denn trägst du die? Hast du keine richtige Brille? Non. J'en ai eu, oui. Mais elles se sont cassées à force de tirer. C'est vrai qu'elles sont pas belles. Je suis content d'avoir au moins celles-là. Elles sont particulièrement moches, je sais. Parfois, je ne sais plus trop quoi penser quand on se moque de moi. Mais, au fond, ça m'est égal. Je ne peux pas vivre sans. Sans lunettes, je suis complètement perdu. Totalement désemparé. Ohne die bist du vollkommen hilflos? Dann gib mir mal dieses abscheuliche Gebild hier. Nein, die bekommst du erst wieder, wenn du gehst. Und außerdem ist es für mich viel beruhigender, wenn ich weiß, dass du ohne sie vollkommen hilflos bist. Wie beruhigend das da. Außerdem siehst du ganz anders aus ohne diese Brille. Ich glaube, du hast nur so einen trostlosen Eindruck gemacht, weil du die ganze Zeit durch diese hässliche Brille hindurchblicken musstest. Rendez-moi! Je vois tout flou maintenant. Même vous, je vois très bien. Das ist mir gerade so recht. Und dir tut das auch gut. Sonst siehst du ja noch aus wie ein Gespenst. Peut-être que je suis un fantôme. Un fantôme du passé. Que plus personne ne veut voir aujourd'hui. Un fantôme de la guerre. Provisoirement rafistolé pour la paix. Du graues, griesgrämiges Gespenst, du. Ich glaube, hier innen drin trägst du auch so eine Gasmaskenbrille. Vielleicht tut es mal gut, wenn du einen Abend lang vollkommen hilflos bist und nichts siehst. Ja, das tut dir vielleicht gut. Komm, probier mal die Jacke, die müsste dir passen. Oulala, vous venez de me repêcher et vous vous dépêchez de me noyer à nouveau. Pour une athlète, cette veste. Vous l'avez volée à un géant. Der Riese ist mein Mann. War mein Mann. Votre mari? Ja, aber glaubst du, ich handle mit Männerkleidung? Où est-il? Votre mari. Verhungert. Erfroren. Oder liegen geblieben. Was weiß ich. Seit Stalingrad ist er vermisst. Das ist ungefähr 3 Jahre her. Was ist denn in Grad? Il faut que je remette mes vêtements mouillés. J'ai tout dans cette veste. Elle m'étrange, cette veste. Je suis ridicule dans cette veste. Effroyablement ridicule. Qu'un gueutin qui vient de faire la guerre. J'aime bien te regarder. Toi, oui. Mais à chaque pas, j'ai peur que ça parte en arrière. Oui, j'ai peur. Was weiß ich? Vorwärts, rückwärts, oben, unten. Morgen können wir schon.
weiß und dick im Wasser liegen. Mäuse still und kalt. Aber heute, mein Fisch, heute, nur wir beide, lass uns zusammen lebendig sein und warm sein. Bitte, mein Fisch, bitte. Versprichst du mir, dass du heute Abend nicht wegstimmst? Ich glaube dir kein Wort. Die Tür sperre ich lieber ab. Lass doch! Je ne suis pas un poisson. Tu n'as pas besoin de fermer la porte. Non, Dieu sait si je ne suis pas un poisson. Fisch, Fisch, mon armer Fisch. Ça m'oppresse. J'étouffe. Ça m'étrangle. Tout ça, c'est parce que j'ai toujours ce brouillard devant les yeux. Mais ça m'étrangle. Was hast du, mein armer kleiner Fisch? Was hast du? Je deviens tout doucement fou. Tout doucement. Là, j'ai l'impression qu'il y a un homme derrière nous, depuis le début. Un homme grand, une sorte d'athlète. Un géant, tu sais. Mais c'est seulement parce que je n'ai pas mes lunettes. Car cet homme, il n'a qu'une jambe. Et il se rapproche toujours plus près. Le géant a une jambe et deux béquilles. Tu entends? C'est le bruit des béquilles. Derrière moi maintenant. Est-ce que tu sens son souffle sur ta nuque? Vite! Prenez-moi! Je ne veux plus voir! Il est derrière toi maintenant! Ma chemise, dans mon lit. Qu'est-ce que tu fais ici? Je lui ai demandé. Alors, il a haussé les épaules. Il a simplement répondu. Oui, qu'est-ce que je fais ici? Alors, j'ai fermé la porte. Non, j'ai d'abord éteint la lumière. Et je me suis retrouvé dehors. Komm mit deinem Gesicht unter die Lampe. Ganz nah. Weg, Mann. C'est moi. Je ne pensais pas que tu me reconnaîtrais. Weg, Mann. Weg, Mann. Weg, Mann. Arrête. Weg, Mann. Arrête. Weg, Mann. Weg, Mann. Weg, Mann. Arrête. Weg, Mann. Arrête. Ne dis pas ce nom. Weg. Je ne veux plus porter ce nom. Weg, Mann. Arrête! Beckman! Beckman! Je ne veux plus être Beckman! 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 Hi, Beckman! Qui est là? C'est moi, l'autre. Tu es encore là? Toujours, Beckman. Laisse-moi passer! Non, Beckman! Ce chemin conduit à l'aide. Viens, la rue est ici, en haut! Je veux aller jusqu'à l'aide. Viens, laisse-moi passer. Nous allons continuer dans cette rue. Nous allons rendre visite à un homme. Tu vas la lui redonner, à lui. Quoi? Die Verantwortung. Thank you.
der Angelegenheit so wichtig? Sie stören beim Abendessen. Non. Je voulais simplement savoir si ce soir je me noie ou si je reste en vie. Et si je reste en vie, je ne sais pas encore comment. Et puis, je voudrais peut-être aussi manger quelque chose pendant la journée. Et puis la nuit, je voudrais dormir. Rien de plus. Na, jetzt labern Sie mal nicht so unmännliches Zeug, ja? Sie waren doch Soldat, wie? Non, mon colonel. Wie nein? Sie tragen doch Uniform. Oui. Ah, 6 ans. Mais je me suis toujours dit que si je portais l'uniforme d'un facteur pendant 10 ans, je ne serais pas facteur pour autant. Papa, demande-lui ce qu'il veut à la fin. Il n'arrête pas de fixer mon assiette. Vos fenêtres ont quelque chose de si chaleureux que de l'extérieur. Je voulais me rendre compte encore une fois comment c'est que de regarder pas des fenêtres comme celle-ci. Et de l'intérieur. Savez-vous ce que c'est que d'être dehors dans le froid et de voir des fenêtres pleines de cette chaude clarté? Vater, sag ich doch. Er soll die Brille abnehmen. Mich friert, wenn ich das sehe. Das, meine Liebe, ist eine Gasmaskenbrille. Wurde von der Wehrmacht 1934 als Brille unter der Gasmaske für augenblindes Soldaten eingeführt. Und nehmen Sie den Zipp nicht ab, der Krieg ist vorbei. Oui. Regardez, fini. Tout le monde le dit. Mais j'ai encore besoin de lunettes. Je suis myope, et sans lunettes, je vois tout flou. Alors que comme ça, je vois bien. Ici, je vois exactement ce qu'il y a sur votre table. Was haben Sie überhaupt für eine öbige Frisur? Sie haben was ausgefressen, habe ich recht? Sie sind irgendwo eingestiegen und wurden geschnappt. Habe ich recht? Je suis entré quelque part. Dans Stalingrad, mon colonel. Mais l'expédition a tourné court. Et ils nous ont pris. On m'a pris pour 3 ans, tous les 100 000 hommes. Et notre capitaine portait des vêtements civils et mangeait du caviar. Oh. 3 ans de caviar. Oh. Et les autres étaient allongés dans la neige, avec du sable de la steppe plein la bouche. Dans nos cuillères, rien qu'un peu d'eau chaude. Mais le chef, lui, il fallait du caviar. Pendant 3 ans. Ils nous ont rasé le crâne. Jusqu'au cou. Ou jusqu'aux cheveux, ils n'étaient pas regardants. Les amputés de la tête étaient encore les plus heureux. Ils n'avaient pas à manger du caviar à la douche. Pendant 3 ans. Mais comment tu trouves ça, beau papa? Comment tu trouves ça? Et mon frère? Ich habe auch stark den Eindruck, dass Sie gewisse Dinge ein bisschen verzerrt darstellen, ja? Wir zwei, wir sind doch Deutsche. Dann wollen wir auch bei der guten deutschen Wahrheit bleiben. Wer die Wahrheit hochhält, marschiert immer noch am besten. Zwei Stück also jetzt. C'est beau, mon colonel. Je suis solidaire de la vérité, mon colonel. On mange bien à sa faim, mon colonel. Vraiment bien à sa faim. Se met une chemise propre, avec un costume avec des boutons sans trou. On allume le poêle, car on a un poêle, mon colonel. On y met une bouilloire pour se faire un petit grog. Puis on tire les rideaux. Et on se laisse tomber dans son fauteuil. Car on a un fauteuil, mon colonel. On sent le parfum délicat de sa femme. Pas l'odeur du sang. Mais pas l'odeur du sang. On se réjouit à l'idée de dormir dans un lit propre. Car on en a un, mon colonel, un grand, qui nous attend déjà dans la chambre à coucher. Moelleux et blanc et chaud. Alors, mon colonel. Alors, on l'a brandi bien haut, la vérité, mon colonel. Notre bouteille d'allemande. Il est fou! Non, il est sous. Vater, beende das. Ich habe Angst. Mich friert von dieser Menschen. Mon Freund,
Es scheint mir, als wären Sie einer von denen, den das bisschen Krieg den Verstand verwirrt hat. Warum sind Sie kein Offizier geworden? Dann hätten Sie zu ganz anderen Kreisen Zutritt gehabt. Dann hätten Sie eine anständige Frau gehabt, ein anständiges Haus. Sie wären gar ein anderer Mensch geworden. Warum sind Sie kein Offizier geworden? Dann wollen Sie nicht, dass Sie fort, mon König. Dass Sie fort. Sehen Sie, ehrlich, sind doch einer von denen, die ein bisschen zu schwach und zu weich sind. Pas assez fort, un peu tendre, et puis fatigué, mon colonel. Fatigué, fatigué, fatigué. C'est que je ne peux pas dormir, mon colonel, la nuit, mon colonel. C'est pour ça que je viens ici, que je viens chez vous, car je sais que vous pouvez m'aider. Je voudrais simplement pouvoir dormir à nouveau. Dormir à point fermé. Tato, bleib bei uns. Ich habe Angst, mich frei von dieser Menschen. Arrête, maman. C'est un de ceux qui sont rentrés avec un petit grand. Ils ne sont pas jugeants. Ouais, enfin, je trouve quand même assez arrogant, notre bonhomme. Hein. Ja, lass mich nur machen, Kinder. Ich kenne solche Typen von der Truppe. Mein Gott, der schläft ja im Stehen. Ach, Quatsch. Ist nur ein bisschen härter angepasst werden, wie? Mon Colonel? Ja? Mon Colonel? Ich höre. Écoutez, mon colonel. Ensuite, tout ira bien. Si vous écoutez, mon colonel, je veux vous raconter mon rêve. Je fais ce rêve toutes les nuits. Et puis je me réveille parce que quelqu'un crie. Pousse un cri terrible. Et vous savez qui c'est celui qui crie, mon colonel? C'est moi, mon colonel. C'est moi. Bizarre, non, mon colonel? Ensuite, impossible de me rendormir. Imaginez-vous, mon colonel. Restez éveillé toute ligne. C'est pour ça que je suis fatigué, mon colonel. Terriblement fatigué. Das ist dieser Traum, der Sie nachts aufweckt. À cause de mon cri. Pas à cause du rêve, à cause du cri. Ja, aber das ist der Traum, der Sie zu diesem Schrei veranlasst, ja? Oui. C'est lui qui me pousse. Imaginez-vous. Il faut que vous sachiez que ce rêve est très étrange. Je vais vous le raconter. Alors. Il y a un homme qui est en train de jouer du xylophone. Il joue sur un rythme effréné. Alors il transpire, car il est extraordinairement gros. Il joue sur un immense xylophone. Et comme l'instrument est très grand, il est obligé de courir d'un bout à l'autre du xylophone. Alors il transpire vraiment beaucoup, car il est vraiment très gros. Pas de la sueur. C'est ça qui est étrange. Transpire du sang, mon colonel. Du sang qui fume. Un sang très sombre. Et le sang dégouline sur son pantalon en de grands filets rouges. Ce qui, de loin, lui donne l'allure d'un général. Un général. Un gros général plein de sang. Ce doit être un général qui a écumé bien des champs de bataille, car il n'a plus de bras. Alors, il joue avec des prothèses très minces, qui ressemblent à des manches de grenade en bois, avec une extrémité sertie de métal. Ce doit être un bien droit de musicien, ce général, mon colonel. Car les morceaux de bois de son xylophone ne sont pas en bois. Vous devez me croire, mon colonel. Vous devez me croire. Ils sont en os. Vous devez me croire, mon colonel, en os! Ja, aus Knochen, ganz aus Knochen. De merveilleux os blancs. Il y a là des omoplates, des crânes, des hanches. Et puis pour les sons aigus, il y a des os de bras, des tibias. Et puis plus haut des côtes, des milliers de côtes. Et pour finir, tout au bout du xylophone. Pour les sons très aigus, il y a des os de phalanges de la main, des os d'orteils, des dents. Les dents sont au bout.
xylophone sur lequel joue le gros bonhomme avec ses canons de général. Ce doit être un bien gros de musicien, ce général, n'est-ce pas, mon colonel? Ganz komisch. Ganz komisch. Et c'est alors que tout commence. Que le rêve commence. Le général est donc debout derrière son immense xylophone pédo-humain. Et il joue une marche avec ses prothèses. Le Baden-Meyer ou la gloire de la Prusse. Mais le plus souvent, il joue l'entrée des gladiateurs ou les vieux camarades. Vous connaissez mon colonel, l'entrée des gladiateurs. Ja, natürlich. Et ils arrivent. Ils font leur entrée, les vieux camarades et les gladiateurs. Ils sortent des charniers et leur plein de sang d'encre en baisse de tout l'Espagne jusqu'à la lune blanche. Vous ne voyez pas qu'il est fou. La lune blanche, la lune blanche. La lune. Unsinn, der Mond war schon immer gelb. Und ich suche mir Eierbrunnen, Geld, meine Mutter immer! Non, mon colonel, non! La nuit, quand tous ces mots arrivent, la nuit est blanche et malade! Elle est comme le ventre d'une jeune fille engrossée qui se serait noyée dans la rivière! Aussi blanche, aussi malade, aussi ronde! Non, mon colonel, la nuit, quand ces mots arrivent, la nuit est blanche et malade! Et leur plainte sanglante empêche tout l'espace jusqu'à la ligne blanche! Malade, ronde, du sang! Alors ils sortent le charnier avec leurs bandages pourris et leurs uniformes ensanglantés. Ils sortent les charniers et leurs plaintes sanglantes en baissent comme de la merde de chat. Ils sortent des océans, des steppes et des routes. Ils sortent des zones, des forêts, des ruines et des landes. Tout noirci par le froid, verdâtre, décomposé. Ils sortent des steppes, bornes, édentées, manchots, cul de jatte. Les intestins en pièces, le crâne défoncé, sans main, roué, puant, aveugle. Un flot terrible qui avance comme une marée immense et tourmentée. La terrible et immense mer des morts déborde de la rive de ses tombes et déverse sur le monde ses flots effrayés et sanglants. Alors le général, celui avec les deux bandes de sang sur les côtés, le général me dit: sous-officier Melman, prenez le commandement, domptez vos hommes. Et je suis là, devant ces millions de squelettes grimaçant dans le vide. Je suis là, devant ces morceaux, ces débris d'eau. Je suis là avec ma responsabilité et je demande qu'il se compte. Mais ces poutres ne se comptent pas. Ils cliquent de la mâchoire, mais ils ne se comptent pas. Le général ordonne 50 flexions de genoux. Les os craquent, s'effritent, les poumons sifflent, mais ils ne se comptent pas. N'est-ce pas là une mutinerie, mon colonel? Une vraie mutinerie? Eine offene Meuterei, eine offene Meuterei. Au contraire, ils s'obstinent à ne pas vouloir se compter, et ils se regroupent, ces sagouins. Ils se mettent à scander, une menace sourde, un rythme qui gronde. Vous savez ce qu'ils crient, mon colonel? Même. Beckman, il crie. Sous-officier Beckman. Sans plus arrêter. Sous-officier Beckman. Et roule. Les cris de ville de crise, sauvage, comme les cris d'un dieu, étranger, froid, gigantesque. Les cris enflent, et roulent, et enflent, et roulent, et les cris deviennent si énormes, si étouffants que je ne peux plus respirer. Alors je crie à mon tour. Je crie dans la nuit. Je suis obligé de crier, de pousser des cris terribles. Ah! C'est ce qui me réveille à chaque fois.
toutes les nuits. Was wollen Sie jetzt von mir? Je vous la rapporte. Wen? La responsabilité. Je vous la rapporte, la responsabilité. Vous avez tout oublié, mon colonel? Le 14 février, près de Gorodok, il faisait moins de 42. Vous êtes arrivé sur nos positions et vous avez dit: sous-officier Beckman, je vous donne la responsabilité de 20 hommes. Vous allez inspecter la forêt de l'est de Gorodok et si possible, vous nous ramenez quelques prisonniers. C'est bien compris? Oui, mon colonel. Nous sommes partis en reconnaissance. Et moi, j'avais la responsabilité. Et la reconnaissance a duré toute la nuit. Puis il y a eu des coups de feu. Lorsque nous sommes revenus sur nos positions, il y avait 11 hommes en camp. C'est tout, mon colonel. Et maintenant, la guerre est finie. Maintenant, je veux dormir. Maintenant, je vous la redonne, la responsabilité. Je ne la veux plus, je vous la redonne. Soyez assez aimable de la reprendre, cette responsabilité. Bah, lieber Beckmann, Sie regen sich doch ganz unnötig. So war das gar nicht gemeint. Si, mon colonel. C'est ainsi qu'il fallait le comprendre. La responsabilité, ce n'est pas simplement un mot, une formule chimique qui transforme la chair humaine bien claire en terre noire. On ne peut pas envoyer des hommes à la mort pour un mot creux. Il faut bien aller quelque part avec notre responsabilité. Les morts ne répondent pas. Dieu ne répond pas. Mais les vivants posent des questions. Des femmes, mon colonel. Des femmes tristes, en deuil. Des vieilles femmes avec des mains dures et gercées. Des jeunes femmes avec les yeux essoufflés qui appellent. Des enfants, mon colonel. Beaucoup de petites enfants. Et ils murmurent dans la nuit. Sous-officier Beckman? Où est mon frère, sous-officier Beckman? Sous-officier Beckman? Où est mon fils, sous-officier Beckman? Sous-officier Beckman? Qu'avez-vous fait de mon fiancé, sous-officier Beckman? Sous-officier Beckman? Où est mon père? Où est mon frère, sous-officier Beckman? Sous-officier Beckman? Où? Et leur murmure dure jusqu'à ce que le jour se lève. Il ne s'agit que de 11 femmes, mon colonel. Pour moi, il n'y en a que 11. Il y en a combien pour vous? 1000? 2000? Vous dormez bien, mon colonel? Alors ça ne vous fera rien si, en plus des 2000, je vous redonne la responsabilité pour 11. Mon colonel, vous pouvez dormir avec 2000 fantômes la nuit. Comment pouvez-vous vivre, mon colonel? Comment pouvez-vous vivre une minute sans crier? Mon colonel, la nuit vous dormez bien, alors ça ne vous fera rien. Je pourrai enfin dormir tout mon sou. C'était bien ça, mon colonel, l'âme en paix. Puis dormir, mon Dieu! Ich weiß nicht recht. Sind Sie nur über Nacht klang heimlich ein Pazifist geworden, wie so
ganz destruktiv. Glaubte beinahe, Sie sind ein kleiner Schelm wie. Hab ich recht? Ich hab recht, Sie sind ein kleiner Schelm wie. Köstlich. Ganz köstlich. Mit dieser Nummer, mit diesem Zeug, da können Sie so auf die Bühne. Sie haben wirklich den Bogen raus. Dieser abgründige Humor. Unglaublich. Und diese ulkig versaute Frisur. Und diese blödsinnige Brille. Sie müssten das Ganze mit Musik bringen. Ich konnte nicht ahnen, dass Sie so ein Komiker sind. Ich dachte überhaupt nicht, Sie hätten so eine kleine Verwirrung im Kopf. Ich konnte nicht ahnen, dass Sie so eine komische Nummer auftauchen würden. Und wisst ihr das? Weil Sie meine Familie und mich heute Abend so reizend unterhalten haben, ist das mir auch eine Gegenleistung wert. Ja? Gehen Sie runter zu meinem Chauffeur, lassen Sie ein Glas warmes Wasser geben und reinigen Sie erstmal Ihre Katze. Und dann, erst wenn Sie richtig wird, werden Sie erstmal wieder ein Mensch. Und dann gehen Sie runter zu meinem Chauffeur und lassen sich einen meiner alten Anzüge geben und werfen Ihre alten Lumpen weg. Ja, Sie haben richtig gehört. Werden Sie erstmal wieder menschlich. Je dois reprendre une apparence humaine. Je dois reprendre une apparence humaine. Qui êtes-vous donc, hein? Vous êtes des humains. Qui, quoi, comment, où? Vous êtes des humains. Celui qui a du schnapps est sauvé. Vive la responsabilité! Vive le sanglant colonel! Hey! Je vais m'engager au cirque. Vive le cirque! Le grand, grand cirque! Thank you.
qu'elle soit bien sobre. Mais il faut également que cette jeunesse soit jeune. Et également passionnée et courageuse, surtout en art. Regardez-moi, à 17 ans, je faisais déjà de cabaret. Je montrais les dents bourgeois, puis faisais passer le bouson cigare. Ce qu'il nous faut, c'est une avant-garde capable de présenter le visage gris, vivant, douloureux de notre époque. Oui, présenter encore des visages, des armes, des fantômes. On présente toujours quelque chose. D'ailleurs, à propos de visages, pourquoi est-ce que vous vous promenez avec cette monture de lunettes? Ça frise de côté. Il y a là de quoi attraper le hoquet que vous gardez. Vraiment hallucinant, ce truc que vous avez sur le nez. Oui, mes lunettes de masque à gaz. On les a eues à l'armée, tous ceux qui portaient des lunettes, pour qu'on puisse bien voir l'ennemi sous le masque à gaz et lui taper dessus. Mais la guerre est finie depuis longtemps. Ça fait un bon moment que notre bonne vieille civile a repris ses droits. Et vous, vous avec toujours ce costume militaire sur le dos? Je n'y peux rien, moi. Je ne suis rentré de Sibérie qu'avant-hier. Oui, avant-hier. De Sibérie? C'est épouvantable, ça. Oui, la guerre, mais les lunettes, vous n'en avez pas d'autres? Je suis content d'avoir déjà celle-ci. Il n'y a pas d'autre forme de salut de lunettes. Oui, oui. Vous n'avez rien mis de côté, mon jeune ami? Où ça? En Sibérie? Ah oui, c'est vrai. Voyez-vous des lunettes? Moi, j'en ai à vendre. Si, si. Je suis le possesseur de trois paires de lunettes en écaille du premier choix à la classe. Une jaune pour le travail, une plus discrète pour sortir, et une le soir pour la scène. Vous voyez le genre? Une grosse monture en écaille noire, ça vous donne un air, mon cher, la classe. Et moi, je n'ai rien à vous proposer pour que vous m'en cédiez une. J'ai tellement l'impression que de n'être plus provisoirement par un pistolet. Je sais bien que cette chose-là me donne l'air ridicule, mais que puis-je y faire? Vous ne pourriez pas m'en... Vous n'y pensez pas, cher ami. Impossible pour moi de me passer d'une seule de mes paires de lunettes en écaille. Tout dépend d'elle. Mes bons mots, mes effets, mon humeur. Oui, c'est ce que je pense aussi. On n'a pas tous les jours du schnaps. Et quand on n'en a pas, la vie c'est comme du plomb. Coriace, écrit, rien à en tirer. Mais pour la scène, ces horribles lunettes sont sans doute bien mieux. Comment ça? Je veux dire plus comique. Les gens vont se tordre de rire en me voyant avec ces lunettes. Ça vous casse là le manteau et la coiffure et ma tête. Vous y avez pensé à ma tête? Tout ça c'est terriblement drôle, non? Drôle, drôle. Ça va leur couper l'envie de rire, mon cher. Dès qu'ils vous verront, ils vont avoir froid dans le dos. Froid dans le dos devant ce fantôme tout droit remonter les enfers. Or, les gens, ce qu'ils veulent, mais c'est jouir de l'art. Ils veulent se sentir élevés, édifiés. Ils ne veulent pas de ces fantômes qui vous glacent la moelle. Non, on ne peut pas vous lâcher comme ça succède. Les gens, il faut salir quelque chose de plus génial, de plus élevé, de plus enlevé, du positif. Du positif, mon cher. Regardez Goethe, regardez Mozart, Richard Wagner, la pucelle d'Orléans, Schmeling, Gilles Tempala. Évidemment, face à des gens comme ça, je ne fais pas le voir. Je ne suis que Beckman, avec B au début et Ekman à la fin. Ekman? Allô, Beckman? Vladimir Beckman? Beckman, ce n'est pas un nom qui est à l'affiche des cabarets en ce moment. Mais peut-être que vous avez travaillé sous un pseudonyme. Non. Je suis tout nouveau. Je suis un débutant. Vous êtes débutant? Mais mon cher, ça ne marche pas aussi facilement que ça dans la vie. Ah, vraiment pas. Ah non, vous avez une vision un peu trop simple des choses. On ne fait pas carrière comme ça sans rien. Vous sous-estimez notre responsabilité. À nous, les directeurs de spectacle. Mais produire un débutant, ça peut vous ruiner un homme. Le public veut des noms. Goethe, Schmeling, Charlie Temple et compagnie, c'est ça? Mais des nouveaux? Totalement connus. Quel âge avez-vous? 25 ans. Eh bien, vous voyez, il faut rouler un peu votre boss, mon jeune ami. Allez, un peu, conifler l'art de la vie. Qu'avez-vous fait jusqu'à présent? Rien.
La guerre. J'ai eu faim. J'ai eu froid. J'ai tiré de bras. La guerre. À part ça, rien. À part ça, rien. Et c'est quoi, ça? Mais il faut grandir sur le champ de bataille de la vie, mon ami. Travaillez. Faites-vous un nom. Ensuite, nous vous produirons. Avec tout. Parcourez le monde et revenez. Devenez quelqu'un. Et par où commencer? Faut bien commencer un jour. Faut bien qu'un débutant débute quelque part. En Russie, on n'a pas roulé grand-chose, ça c'est sûr. Mais le métal, on a reniflé de près. Du métal dur, brûlant, pas de quartier. Où faut-il commencer? Il faut bien commencer un jour, nom de Dieu! À vous jurons, vous pouvez les garder pour vous! Vous voyez, personne en Sibérie, non? Personne. Personne ne nous a envoyé en Sibérie. On y allait tout seul. Tous, tout seul. Il y en a qui sont restés tout seuls aussi. Sous la neige, sous le sable. Ils ont eu de la chance, ceux qui sont restés, les morts. Pour nous, il n'y a nulle part où commencer. Nulle part! Bon, comme vous voulez. Alors commencez. Ah, je vous en prie, mettez-vous là. Commencez. Faites vite. Le temps, c'est de l'argent. Je vous donne votre chance. Votre grande chance. Une chance énorme. Je suis prêt à vous écouter. Sachez l'apprécier. Sachez l'apprécier, jeune homme, je vous le dis. Eh bien, commencez, pour l'amour du ciel. Allez, on y va. Petite femme de soldat, je me souviens de cette chanson. Petite chanson suave, les belles saloperies au fond. Au matin, je me suis trouvé une autre fille sur l'Allemagne. Elle n'a pas dit un mot. D'ailleurs, l'Allemagne nous avait tourné le dos. La nuit fait tour, fin de la bataille. Non, vraiment pas mal. Tout à fait honnête, même. Pour un débutant. Et bien entendu, l'ensemble encore un éclat. Ça ne brille pas assez, mon cher jeune homme. Ça manque un peu de... Peut-être. Ce n'est pas encore de la vraie poésie. Il manque encore le timbre et cette pointe d'égotisme discret qui va de pair avec l'adultère. Le public veut être chatouillé. Il ne veut pas être pincé. Mais sinon, étant de votre jeune âge, c'est tout de même très bien. Il manque encore le côté éthique, la profondeur d'une certaine sagesse. Mais comme je vous l'ai dit, pour un débutant, ce n'est vraiment pas mal. Encore trop plaqué, trop tranché. Trop tranché. Trop fort, trop direct, vous comprenez? Bien entendu, étant de votre jeune âge, il vous manque cette nonchalance sereine. Sereine. Cette distance. Mais pensez, pensez à notre cher vieux maître à tous. Que... Un jour, il part en campagne avec le duc et toute son armée. Et le soir, près du feu, il écrit une opérette. Une opérette. Mais c'est ça que j'ai dit, cette façon de prendre la distance. Il faut bien reconnaître qu'il y en a une sacrée de distance. Mon cher ami. Attendons encore quelques petites années. Comme Du darfst nicht verzweifeln. Die Wahrheit lebt. La vérité, c'est comme une putain de quartier. Tout le monde la connaît, mais on n'aime pas la rencontrer dans la rue. Ces choses-là, c'est pour la nuit. Le secret de la nuit. Le jour, elle est terne, grossière et moche, la putain. La vérité aussi. Il y en a qui n'ont pas assez d'une vie pour la digérer. Viens avec moi. Il y a toujours une porte ouverte quelque part. Mon Dieu, oui. Je veux rentrer chez moi. Je veux revoir ma mère. Je veux revoir enfin ma mère. Revoir ma mère.
peinture écaillée et sa boîte aux lettres cabossée. Avec le bouton de sonnette blanc et tout branlant et la plaque de laiton brillant que ma mère astique tous les matins. Et sur laquelle est écrit notre amour.
Beckman, du musst weiter. Qu'est-ce que tu dis? Lève-toi, Beckman. La route attend. La route, elle devrait se passer, mais pas fatiguée. Pourquoi t'éloignes-tu? Je ne peux plus, presque plus comprendre. Beckman. Beckman. Oh. Beckman, tu dors? Oui, je dors. Réveille-toi, Beckman, tu dois vivre. Non! J'ai pas l'intention de me réveiller. Je suis en train de rêver. Un rêve merveilleux. Träum nicht weiter, Beckman. Du musst leben. Vivre? À quoi bon? Je suis justement en train de rêver que je meurs. Debout, je te dis! Debout! Vive! J'en peux plus! T'entends donc pas siffler mes poumons? Écoute! Chut! Chut! J'en peux plus! Tu peux! Tes poumons ne sifflent pas! Mes poumons sifflent! Quoi d'autre sinon? Écoute! Quoi d'autre? Un Straßenfegerwesen. Da, kommt ein Straßenfeger, kommt an uns vorbei. Und sein Wesen kratzt auf dem Asphalt wie eine Asthma-Lunge. Deine Lunge rastet nicht, hörst du? Das ist der Besen, hör doch! Du balayeur fait. Comme les poumons d'un agonisant. Et le balayeur a des bandes rouges sur son crâne. C'est le général des balayeurs. Un général des balayeurs allemands. Et quand il balaye, les poumons des mourants font. Balayeur? Je ne suis pas balayeur. Tu n'es pas balayeur? Et tu es quoi alors? Je suis employé des pompes funèbres. Ordures et pourritures en tout genre. Tu es la mort, et tu te promènes en balayeur? Aujourd'hui en balayeur, hier en général, qu'importe. La mort ne peut pas faire la fine bouche. Des morts, il y en a partout. Et aujourd'hui, ils sont même dans la rue. Hier, ils étaient sur les champs de bataille. Alors, j'étais général. Avec une petite musique de xylophone en accompagnement. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. Et le balai de la mort fait... Et le balai de la mort fait... Passer de général à balayeur, la côte des morts est donc tombée si bas. Elle baisse. Pas de salut, pas de glas, pas d'oraison funèbre, pas de monument. Elle baisse, et le balai de la mort fait tchou. Tu dois déjà partir? Reste un peu ici. Prends-moi avec toi, mort. Mort, tu m'oublies, mort. Je n'oublie personne. Mon xylophone joue, les vieux camarades, et le balai de la mort fait tchou. Je n'oublie personne. Mort, ouvre ta porte pour moi. Mort, ne ferme pas ta porte, mort. Ma porte est toujours ouverte. Le matin, l'après-midi, la nuit, dans la lumière, le brouillard. Ma porte est toujours ouverte. Toujours. Et le balai de la mort, c'est... Tu entends comme une tension. Comme le balai d'un cantonnier. Et le balayeur laisse sa porte grande ouverte. Et le balayeur s'appelle la mort. Et son balai racle, comme mes poumons, comme une vieille pendule éraillée. Non, Beckman. Tu dois vivre. Regarde autour de toi. Tout vit. Devant toi, à droite, à gauche, les autres. Tout vit. Et toi, où es-tu? Tu dois vivre. Zum Donnerwetter nochmal. Wir müssen schon wieder, Bettler. C'est ganz wie früher. Exactement, mon colonel. Exactement.
fois. Mais ce sont toujours les mêmes qui font les mendiants. Mais je ne suis pas un mendiant, mon colonel, non. Je suis un noyé. Je suis un déserteur, mon colonel. J'étais un soldat à bout de force, mon colonel. Hier, j'étais le sous-officier Beckman, mon colonel. Vous vous souvenez de mon nom ? Beckman. J'étais un peu tendre. Pas vrai, mon colonel, vous vous rappelez ? Oui. Et demain soir, on me retrouvera sur la rive de Blanquet-des-Eux. Complètement calme, tout gonflé. Terrible, mon colonel, n'est-ce pas ? Et vous m'avez sur la conscience, mon colonel. Terrible, n'est-ce pas ? 2011 plus Beckman, ça fait 2012 fantômes dans la nuit. Ich kenne Sie doch gar nicht, Mann. Wie von einem Beckmann gehört. Was sagten Sie noch mal an Sie für Dienstgrad? Mais mon colonel, vous n'avez tout de même pas oublié votre dernier meurtre? Avec des lunettes de masque à gaz, et une coupe de prisonnier, et une jambe raide. Sous-officier Beckmann, mon colonel! Richtig. Sehen Sie, die unteren Dienstgrade sind doch durch die Weg alle verdächtig. Dorfköppe, Prisonäre, Pazifisten, Wasserstoffleichenaspiranten. Sie wollten sich ersaufen? Na ehrlich, sind doch einer von denen, die im Krieg ein bisschen entmenschlicht und verwildert sind. Ohne jegliche soldatische Tugend. Trauriger Anblick, sowas. N'est-ce pas, mon colonel? Pas beau à voir de nos jours tous ces cadavres blêmes et mous. Et c'est vous le meurtrier, mon colonel, vous? Vous supportez tout ça, mon colonel? Être un meurtrier? Vous vous sentez comment, un meurtrier, mon colonel? Et... Où êtes-vous? Vous m'avez tué avec votre rire, mon colonel! Votre rire était plus terrible que toutes les morts du monde, mon colonel! Vous m'avez tué par votre rire, mon colonel! So. Ok. Mal ehrlich. Sie wären doch sowieso einer von denen gewesen, die vor die Hunde gegangen wären. Guten Abend. Je souhaite une bonne nuit, mon colonel. Et merci beaucoup pour l'épitaphe. Tu as entendu? Toi qui dis toujours oui. Toi le philanthrope. Épitaphe pour un soldat noyé. Épilogue d'un homme pour un autre homme. Du träumst, Beckmann, du träumst. Die Menschen sind gut. T'es bien enroué, t'es noir plein d'optimisme. Ça t'a cassé la voix? Oui. Les hommes sont bons. Mais il y a des jours comme ça, on ne rencontre que les quelques mauvais qui existent. Mais les hommes ne sont pas si mauvais. Je ne faisais que rêver. Je ne veux pas être injuste. Les gens sont bons. Ils sont tellement différents. C'est ça? Si incroyablement différents. L'un est colonel alors que l'autre n'est qu'un petit gradé. Le colonel est repu. Il est en bonne santé. Et il a un caleçon en laine. Et le soir, il a un lit. Et une femme. Viens, Beckman. Vis. La rue est pleine de lumière. Tout vit. Accroche-toi, Beckman. Accroché à qui? Au colonel? Non! Aux autres, Beckman, vis avec les autres! Même avec ce directeur? Ah, c'est Anne. Bon. Même avec le directeur. Oui, monsieur le directeur? Oui, comment est-ce qu'il y a? Vous me reconnaissez? Non. Si, attendez. Une masque à gaz, coupe à la russe, capable de soldat, vous êtes le débutant avec sa petite chanson d'adultère. C'était comment, votre nom déjà? Beckman. C'est ça! Et alors? Vous m'avez assassiné, monsieur le directeur. Voyons, mon cher. Si, si. Parce que vous étiez lâche. Parce que vous avez trahi la vérité. Vous m'avez poussé dans l'herbe mouillée parce que vous n'avez pas donné aux débutants la chance de débuter. Je voulais travailler. J'avais faim. Mais votre porte s'est refermée derrière moi. Vous m'avez expédié dans l'aile, monsieur le directeur. Il faut que vous soyez un garçon bien sensible. Vous me précipitez dans l'aile. C'est eau mouillée. Bien mouillé, monsieur le directeur. Et je me suis gorgée de cette eau de laine jusqu'à en être rassasiée. Être rassasiée au moins une fois, monsieur le directeur. Jusqu'à en être mort. Tragique, n'est-ce pas? Ça ferait une chanson à succès pour votre revue. Chanson de notre époque, rassasiée à en crever. Mais c'est terrible! Vous étiez indécrable avant un peu de sensibilité. Totalement déplacé aujourd'hui, pas convenable.
Vous étiez obsédé par la vérité. Un vrai petit fanatique. Vous avez fait s'évaporer tout mon public avec votre chansonnette. Alors vous m'avez fermé la porte. Et en bas, il y avait Ben. Ben ? Oui, noyé, terminé, pauvre bougre. Écrasé par la vie, aplati, écrabouillé, rassasié, en crevé. Oui, si on était tous aussi sensibles. Mais on n'est pas, monsieur le directeur. On n'est pas aussi sensible que ça. Mais grand Dieu, non. Vous faisiez partie de ces millions de gens qui ne peuvent traverser la... Vous faisiez partie de ces millions de gens qui ne peuvent faire autrement que de traverser la vie en clopinant et qui sont heureux lorsqu'ils tombent. Dans l'aile, dans l'HP, la tenue. Qu'importe ! Pas de repos avant. Vous m'avez donné le coup de pied pour me faire tomber. C'est absurde ! Qui a dit ça ? Vous étiez pressé pour les rôles tragiques. Mais le sujet est superbe. Balade d'un débutant, le noyer avec ses veines de masque à gaz. Dommage que le public ne veuille pas voir ce genre de choses. Dommage. Bonne soirée, monsieur le directeur. Tu as entendu ? Alors je dois vivre comme le colonel ? Continuer à vivre comme ce directeur ? Avec eux ? Madame Kramer, elle passe devant vos cadavres ? Non, elle aussi a un cœur. Madame Kramer, avez-vous un cœur, Madame Kramer ? Où était votre cœur, Madame Kramer, quand vous m'avez assassinée ? Si, si, Madame Kramer, vous avez assassiné le fils des vieux Beckman. Vous n'auriez pas aussi expédié ses parents ? Allons un peu de franchise, Madame Kramer. Disons un petit peu aidé. Empoisonner un peu la vie, disons. Expédier ensuite les fils dans l'air. Que votre cœur, Madame Kramer ? Que dit votre cœur ? Si, der Ulking Brille haben sich in die Elbe gemacht, dass ich mir das nicht gedacht habe, kam mir gleich so melancholisch vor. Macht sich einfach in die Elbe. Aber Bengel, nein, aber auch oui, parce que vous avez dit tant de cœur et de tact. Elle m'a raconté la fin de mes parents. Votre porte était la dernière. Et vous m'avez laissé dehors. Alors que pendant mille jours et mille nuits, en Sibérie, j'avais espéré cette porte. Vous avez commis un petit meurtre en passant, vous avez... Es gibt eben Leute, die haben egal Pech. Sie waren einer von denen. In Sibirien, Gaswand, Ohlsdorf. War wohl ein bisschen happig. Mir ans Herz, wissen Sie? Aber wo kommt man hin, wenn man alle Leute beweinen sollte? Sie kamen mir gleich so finster vor. Armer Bengel. Aber das darf einen nicht kratzen. Sonst würden sie das bisschen Margarine schlecht, das man auf dem Brot hat. Macht sich einfach ins Gewässer. Ja, man erlebt was. Jeden Tag macht sich einer davon. Oui. Oui, bon vent, Madame Kramer. Et l'autre, tu as entendu? Épitaphe d'une femme de cœur pour un jeune homme. Tu as entendu? Tu ne dis plus rien, toi qui as toujours réponse à tout. Wach auf, Beckman. Regarde, Beckman, regarde! Voilà cette jeune femme! Celle qui t'a repêché dans l'aile! Celle qui voulait embrasser ta petite tête d'idiot! Elle ne passera pas devant ta mort! Elle t'a cherché partout! Non, elle ne m'a pas cherché! Personne ne m'a cherché! Je vais te croire ça! Je suis incapable de tomber encore, tu entends? Personne ne me cherche! Cette jeune femme t'a cherché partout! Tu me tortures, toi qui dis toujours oui! Va-t'en! Mein Fisch! Mein kleiner, armer Fisch! Wo bist du denn? Moi, je suis mort. Du bist tot? Ich hab dich aber auf der ganzen Welt gesucht, mein Fisch. Pourquoi tu me cherches? Weil ich dich liebe, mein Fisch. Ich hätte dich so gerne geküsst, mein Fisch. Tu se lever et continuer? Parce que les jeunes filles nous appellent. Mademoiselle? Ja, mein Fisch? Et si je n'étais pas mort? Oh, dann würden wir zu mir nach Hause gehen. Wir zusammen. Und dann wären wir zusammen lebendig, mein Fisch. Komm, lass uns zusammen lebendig sein, mein Fisch. Est-ce que je dois vivre? Tu m'as vraiment cherché? Ja, nur dich, die ganze Zeit nur über dich habe ich gesucht. Komm, lass uns zusammen.
marcherons, serrés l'un contre l'autre dans cette rue sombre. Viens, nous allons être vivants, ensemble, serrés l'un contre l'autre. Mein Fisch, ich werde auch das einzige Licht sein, das auf dieser dunklen Straße für dich brennt. Tu brûles, tu dis. Mais qu'est-ce que c'est? Tout devient sombre. Der Holzbaum klopft. Es tut mir leid, ich muss gehen. Où vas-tu? Reste ici! Il fait si sombre tout d'un coup. Lumière, petite lumière, éclaire-moi. Qui tape ici? Il y a quelqu'un qui tape. Tac, 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 tac. Qui tape de la sorte? Là! Tac, 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 tac. De plus en plus fort, de plus en plus près. Tac, 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 tac. Beckmann, du hast doch einen Mord begangen und trotzdem lebst du noch. Ne commis aucun meurtre. Doch, Beckmann, wir werden jeden Tag ermordet und jeden Tag begehen wir einen Mord. Jeden Tag gehen wir einen Mord vorbei und du hast mich ermordet. Hast du das denn schon vergessen? Ich war doch 3 Jahre in Sibirien und gestern Abend, da wollte ich nach Hause kommen, aber mein Platz war schon besetzt. Denn du warst ja da. Na, da bin ich in die Elbe gegangen. Gleich gestern Abend. Wo hätte ich auch anders hingehen sollen, nicht, Beckmann? Du, die Elbe, die ist kalt und nass. Aber nun habe ich mich daran gewöhnt. Nun bin ich ja auch tot. Dass du das so schnell vergessen konntest. Ein Mord vergisst man doch nicht so schnell. Der muss einem doch nachlaufen. Ja, du, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte gestern Abend nicht nach Hause kommen dürfen. Zu Hause war ja kein Platz mehr für mich. Du warst ja da. Ich klage dich nicht an. Wir morden alle. Jeden Tag, jede Nacht. Nur unsere Opfer, die wollen wir doch nicht so schnell vergessen. Wir wollen doch nicht an unserem eigenen Mord vorbeigehen. Ja, Beckmann, du hast mir meinen Platz weggenommen. Auf meinem Sofa. Bei meiner Frau. Bei meiner Frau, von der ich 3 Jahre lang geträumt habe. 1000 sibirische Nächte. Du, Beckmann, da war ein Mann auf meinem Sofa. Und dieser Mann, der hatte mein Zeug an. Das war ihm viel zu groß. Aber er hatte es an. Der fühlte sich wohl und weiß. Mein Zeug und bei meiner Frau. Und dieser Mann, Beckmann, der warst du. Na, ich hab mich dann ja gleich verzogen, bin in die Elbe gegangen. Die war so kalt, nass. Nun habe ich mich daran gewöhnt. Ich bin erst einen ganzen Tag tot. Und du hast mich ermordet und hast deinen Mord schon wieder vergessen. Aber das sollst du nicht, Beckmann. Seinen eigenen Mord vergessen. So nur die Schlechten. Das musst du mir versprechen, dass du deinen Mord nicht vergessen wirst. Je te promets. Das ist schön von dir. Dann kann ich wenigstens in aller Ruhe tot sein. Wenn wenigstens einer, wenigstens mein Mörder an mich denkt. Nicht oft, nur ab und zu, manchmal, wenn du nicht schlafen kannst. Dann kann ich wenigstens in aller Ruhe sein.
Es-tu donc pas mort? Es-tu donc toujours pas mort? Tic, toc, tic, toc, pendant toute la vie? Tic, toc, tic, ha! Pendant toute la mort? Tic, toc, tic, toc. Tu entends? La mort qui rampe et qui roule. Et moi, je dois vivre. Et toutes les nuits, il y aura un homme en sentinelle près de mon lit. Et toujours ses pas. Tic, toc, tic. Un homme est là. Et cet homme rentre en Allemagne. Et cet homme a froid. Il a faim et traîne la jambe. Un homme rentre en Allemagne. Il rentre chez lui. Mais son lit est occupé. Une porte se claque. Et il se retrouve dehors. Un homme rentre en Allemagne. Il rencontre une jeune femme. Mais cette jeune femme a déjà un mari qui n'a qu'une seule jambe et qui gémit sans arrêt un nom. Et ce nom, c'est Beckmann. Une porte claque et il se retrouve dehors. Ein Mann kommt nach Deutschland. Sucht nach Menschen, doch ein Oberst lacht sich halb tot. Eine Tür schlägt zu und steht wieder draußen. Un homme rentre en Allemagne et il cherche ses parents. Mais une vieille femme pleure après son gaz et la porte claque et il se retrouve dehors. Et toi? Toi, tu dis que je dois vivre? À quoi bon? Pour qui? Pourquoi? N'ai-je pas gagné ma mort? N'ai-je pas gagné mon suicide? Est-ce que je dois continuer à me faire assassiner? À assassiner? Où aller? Pour vivre de quoi? Avec qui? Pourquoi? Où aller sur cette terre? Nous sommes très... Furchtbar verraten. Où es-tu, l'autre? Toi qui es toujours là d'habitude. Où es-tu, toi qui dis toujours oui? Réponds-moi maintenant. Maintenant, j'ai besoin de toi. Où es-tu passé? Voilà que tu n'es plus là tout d'un coup. Où es-tu, toi qui me refusais la mort? Wo ist der alte Mann, der sich Gott nennt? Pourquoi ne dites-vous plus rien? Répondez! Pourquoi ne dites-vous plus rien? Pourquoi? Gibt denn keiner eine Antwort? Personne pour répondre? Personne pour répondre? Personne?